Merci à tous d'être venus pour cette conférence. On est vraiment très heureux que Jacques soit venu jusqu'à nous. Il est auteur de nombreux ouvrages dont je vous ai juste apporté quelques exemplaires des derniers ouvrages. Le tout dernier, Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez. Ça nous fait le même effet que le film Demain, pour ceux qui ont sûrement vu ce film. Ça donne beaucoup d'exemples très concrets et donc beaucoup d'espoir sur des choses qu'on peut mettre en place dans le quotidien. Et dans le même esprit, l'ouvrage juste avant, c'est les entreprises humanistes, avec également beaucoup d'exemples concrets de ce que peuvent mettre en place les entreprises qui favorisent plus de coopération, plus de bien-être au travail. Et puis, bien sûr, celui qui est le plus en lien avec la thématique d'aujourd'hui, son ouvrage « La bonté humaine, altruisme, empathie, générosité ». Donc vous pourrez venir les consulter par la suite. Jacques a bien sûr encore beaucoup de projets d'ouvrages, mais qui sont secrets pour l'instant. Mais donc probablement, et il viendra à nouveau nous en parler par la suite. Donc je vous rappelle un peu l'objectif de ce cycle de conférences, c'est de rendre accessibles plus rapidement les résultats des travaux dans le champ de ce qui peut améliorer le bien-être individuel, collectif et sociétal. Parce qu'en fait, au niveau de la recherche, lorsqu'on réalise des travaux, on les publie souvent en anglais, dans des revues scientifiques. Et avant que les résultats ne reviennent en France et soient diffusés au niveau du grand public, on perd au moins 10 ans. Donc là, notre objectif, c'était que ça passe plus rapidement de la recherche vers le public francophone. Et ce qu'on vous propose, c'est donc un expert un peu généraliste du champ qui vous fait un aperçu de ce champ, ce qui est le cas de Jacques, puisqu'il a l'habitude de faire de la diffusion scientifique. Hein, il est psychologue, docteur en psychologie et journaliste scientifique, donc il a vraiment l'habitude de faire ce travail de diffusion. Donc je laisse la parole avec plaisir à Jacques. Merci à vous toutes et tous d'être ici et merci particulièrement à Rebecca de m'avoir invité. Voilà, mais Rebecca qui a une famille, une personne formidable, mais je pense que tous ceux et celles qui la connaissent n'ont pas besoin que je le dise. Donc voilà, alors en deux mots je me présente avant de rentrer dans le vif du sujet, très rapidement. J'ai un parcours un peu divers et varié, et comme l'a dit aussi Rebecca, une partie de mon activité a été d'être journaliste de vulgarisation. Voilà, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai été travailleur social, j'ai été psychologue en maison d'enfants, j'ai été ouvrier agricole pendant 5 ans, ce dont je suis très fier, et différentes autres activités. Voilà, mon intérêt pour la psychologie positive n'est pas tout à fait innocent, ça vient de mon histoire d'enfance, puisque je fais partie de ce qu'on appelle les résilients. Voilà, j'ai une enfance fracassée, une jeunesse, en raison du comportement de mon père, et disons, on a tous pas mal souffert dans la famille. Et une famille avec deux parents, deux sœurs et moi. Et je dirais que je suis le seul survivant, ce soit sur le plan physique ou psychologique. Mais comme Mario de le dire, à 60 ans c'est facile, mais je pourrais dire la même chose à 20 ans. Donc, pour dire que mon intérêt pour la psychologie... J'ai fait une thèse au hasard sur la résilience des enfants maltraités devenus des parents non maltraitants, tout à fait par hasard. Et je crois avoir quand même gardé la distance scientifique nécessaire pour ce type d'exercice. Mais ceci est important dans le sens que parfois certains considèrent que pour s'intéresser aux beautés du monde, il ne faut pas avoir eu de problème dans la vie. Voilà. Mais on peut aussi s'y intéresser après en avoir eu. Ce n'est pas non plus une nécessité. Hein. On peut aussi s'en passer, mais c'est le fait, il est comme ça. Et alors j'ai eu un parcours un petit peu tortueux, puisque aussi bien sur le plan scolaire que sur le plan relationnel, j'ai failli très mal tourner quand j'étais jeune, et puis à l'âge de 18 ans, tout à fait par hasard, si le hasard existe, après c'est à chacun d'en tirer les conclusions, mais
en faisant du stop, je suis tombé dans une ferme en Haute-Provence et j'y suis resté, 5 ans. Donc, et c'est là que j'ai changé et je suis devenu peace and love, si vous voulez, alors que j'étais plutôt dans des orientations un petit peu différentes. Pour le moins, j'étais considéré au lycée comme un irrécupérable sur le plan social et sur le plan scolaire. Et des fois, j'aimerais bien revoir les personnes qui l'ont dit, parce que, disons que depuis, je suis devenu peace and love, et puis j'ai fini par faire une thèse, qui est pire, il y a pire pour quelqu'un qui est irrécupérable scolairement. Mais vous n'êtes pas là pour entendre ça, mais c'est simple, si je me permets de le dire, c'est parce que, effectivement, ma vision optimiste que je vais vous présenter n'est pas celle d'un gars, de quelqu'un qui vit sur un nuage, et qui ne connaît rien de la vie, qui a grandi dans du coton, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Alors, empathie et coopération, levier de changement social. Oui, alors, j'aimerais d'abord commencer par quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, mais la définition, une définition, puisque on peut en donner d'autres, de la psychologie positive. Alors, à laquelle je tiens beaucoup. Voilà. Alors, trois éléments que je souhaite souligner, c'est d'abord l'étude, on peut rajouter scientifique, c'est-à-dire c'est pas seulement des belles idées, mais là aussi on est à la MSH, on est labo de psychologie, enfin voilà, la psychologie positive, c'est des travaux qui viennent du monde universitaire, c'est pas seulement des belles idées, il fait beau, regardez la vie du bon côté, je sais pas, enfin, faut aussi tester. Par ailleurs, ça tient pas seulement compte de la personne, mais aussi de son environnement, c'est l'étude des conditions et des processus, parce que parfois, en attendant, il y a des critiques qui sont faites de la psychologie positive comme étant extrêmement individualiste, un peu complètement hors sol. Non, ça s'intéresse aussi aux conditions et des processus, c'est-à-dire qu'on peut vivre heureux, mais il y a aussi, c'est pas seulement des démarches personnelles, c'est aussi du contexte. Et puis la fin, ça rejoint ce que je viens de dire, mais c'est très important à mes yeux. La psychologie positive s'intéresse aux individus. Vous avez des travaux de psychologie positive qui se portent sur la motivation, sur l'optimisme, sur la résilience, sur le sens de la vie. Le bonheur, c'est un grand thème. Mais pas que ça. Deuxième niveau, les relations interpersonnelles. Ça commence à deux. Donc vous avez des travaux sur l'amour, sur l'amitié, plus largement sur la coopération, l'empathie, la bienveillance, la confiance en l'autre, que sais-je encore. Et troisième niveau, ça va être surtout celui... je vais surtout parler de ce niveau, les institutions, c'est-à-dire que quel impact finalement la psychologie positive pourrait avoir aussi bien dans la santé publique, aussi bien dans les organisations, aussi bien dans l'éducation, aussi bien dans la justice et que sais-je encore. J'ai la profonde conviction, mais c'est pas une conviction que j'ai posée a priori, une sorte d'idéologie, c'est vraiment le fruit de nombreuses lectures, de milliers de travaux, qui montrent en gros, et c'est ce dont je vais vous parler à l'instant, que des valeurs, des attitudes comme la coopération, l'empathie, la bienveillance, non seulement ont un impact positif dans nos relations interpersonnelles, mais pourraient être utilisés à large échelle dans des politiques publiques. Et pour résumer les choses d'une manière très ambitieuse, la psychologie positive, et plus largement d'ailleurs les sciences humaines positives, parce que vous avez des chercheurs en sociologie ou en d'autres domaines qui s'intéressent au côté positif. Vous avez même une discipline qui est naissante qui s'appelle la criminologie positive, ce qui est un peu paradoxalement, mais les sciences humaines positives pourraient, si elles étaient vraiment appliquées à large échelle, ça pourrait changer le monde. Et comme ça, c'est un vieux délire que j'ai depuis l'adolescence, je me retrouve assez bien dans cette vision de la psychologie positive. Alors, je précise bien que, puisque c'est ce que je disais à l'instant, et puis vous le savez, la psychologie positive, c'est une science. Ce dont je vais vous parler, c'est pas seulement des idées un peu comme ça, c'est vraiment validé scientifiquement. Et ce que, personnellement, je préfère dans les études, c'est... pas préférer en soi, mais comme... pour être sûr d'affirmer quelque chose, c'est les études de synthèse, c'est des revues de littérature ou des méta-analyses qui nous... En gros, vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais une recherche scientifique fait pas ne permet pas de tirer des conclusions définitives. Lorsque vous avez par contre des méta-analyses, par exemple, qui portent sur des centaines de milliers de personnes, on peut dire que les tendances qui sont mises en évidence sont probablement avérées. Ce que je vous montrerai, c'est pas seulement une étude par-ci, par-là, même si de temps en temps je citerai une étude, mais c'est vraiment des résultats qui sont maintenant bien affirmés sur le plan empirique, scientifique. Ça va ?
Alors oui, donc je vais d'abord intervenir et puis vous aurez un temps de questions-réponses, mais après donc l'intervention de M. Carré, dans un troisième temps donc. Alors, je vais vous parler de différents domaines. 6, vous comprenez que dans le temps qui m'est imparti, je risque d'aller un petit peu vite. Vous ne m'en voudrez pas, je demande votre indulgence, mais c'est aussi, ça permettra d'avoir pas mal d'infos. Alors d'abord, à l'école, plusieurs travaux dans différents domaines, sur l'empathie des enseignants, sur toutes sortes de choses. Je voudrais surtout parler de deux éléments. D'une part, sur le mode d'apprentissage, donc l'apprentissage coopératif versus l'apprentissage compétitif. Alors c'est ce qu'on a surtout, hein, ce deuxième aspect, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui est le plus développé avec les systèmes de notes, avec des tas d'éléments, l'élève qui apprend seul et face à l'enseignant, l'enseignante, et vous avez une autre modalité, donc qui est l'apprentissage coopératif, où on organise en quelque sorte les séquences d'apprentissage de façon collective. Vous avez beaucoup de travaux et puis beaucoup de. Vous avez des livres qui expliquent comment ça se passe, parce qu'il faut bien le faire, pour veiller en quelque sorte à ce que les élèves en difficulté puissent autant apporter en quelque sorte au groupe que les élèves en facilité, que ce ne soit pas un groupe dans lequel, hop, ceux qui ont des meilleurs résultats tout de suite donnent la réponse et puis hop, on passe à autre chose. Donc il y a vraiment des méthodologies qui permettent cela. Et les résultats, maintenant, on n'est plus dans l'ordre d'études, mais de dizaines, de centaines d'études, donc ce qui permet, comme je disais, de faire des revues de littérature, des méta-analyses, et déjà, ça nous donne ceci. L'apprentissage coopératif a des meilleurs résultats sur différents domaines. Voilà. Alors évidemment, on l'attend sur le plan cognitif et scolaire. Il y a des meilleurs résultats, que ce soit dans les matières fondamentales, en particulier comme le maths et le français, les langues maternelles des différents pays où ça a été étudié. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des effets sur le plan psychologique et surtout aussi sur le plan relationnel. Ça peut se comprendre, les élèves qui travaillent ensemble ont tendance à mieux se respecter, mieux s'apprécier les uns les autres, et y compris à respecter mieux l'enseignant. Et vous savez, actuellement, parfois, il y a des demandes, d'augmenter les temps, par exemple, d'apprentissage à la citoyenneté, ou des choses comme ça, de cours de citoyenneté. Pour ma part, mais ça n'engage que moi, j'ai tendance à penser qu'il est bien préférable de faire de l'apprentissage coopératif, c'est-à-dire de l'apprentissage concret à la citoyenneté, sans que ça s'appelle comme ça, plutôt que de faire un apprentissage formel dont on sait que les résultats sont quasi inexistants. Si ce n'est que ça fait plaisir à ceux qui l'ont mis en place, mais ça les satisfait parce qu'ils ont fait quelque chose, mais les résultats n'ont pas d'effet. Il y a même des trucs qui sont donnés à l'école, par exemple, pour diminuer on explique les dangers des drogues, par exemple, et pour diminuer la consommation, ça a tendance à augmenter la consommation chez les élèves. Donc, il faut être attentif à ce que des enseignements formels ne sont pas forcément efficaces. Par contre, la pratique au quotidien de la citoyenneté et qu'à l'apprentissage coopératif, ça donne les meilleurs citoyens pour demain. Dans un même registre, il y a une autre pratique, par exemple, ça s'appelle le tutorat par les pairs. Le tutorat par les pairs, ça a été fait historiquement comme ça, par nécessité faisant loi, tout simplement, par exemple, dans des écoles, rurales, où vous avez un enseignant qui a 4 niveaux, eh bien, il ne peut pas s'occuper des 4 niveaux à la fois, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux plus grands de s'occuper des plus jeunes. Et le résultat, eh bien, c'est que, en fait, les écoles rurales ont parfois, avec des élèves en plus grande difficulté, ont parfois des meilleurs résultats. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très intéressant, ça a été formalisé, on a mis en place des systèmes de tutorat par les pairs. On demande à des élèves, c'est sur le mode du volontariat évidemment, est-ce qu'il y a des élèves que ça intéresserait d'aider d'autres élèves en difficulté qui ont 2-3 ans de moins? Alors dans un premier temps, on pensait que ça allait être les élèves en facilité scolaire qui allaient lever la main, et ça a été le cas, mais aussi des élèves en difficulté ont levé la main. Comme on ne pouvait pas leur dire, ben non, t'es nul, tu ne vas pas y participer, c'est quand même pas très cool, eh bien, on a accepté ces élèves. Alors, on s'est rendu compte là aussi, c'est très bien organisé. En gros, c'est quelques heures par semaine, 2-3 heures, où un élève va avoir un autre élève sous son aile, et tout ça étant, bien entendu, supervisé avant, après, pour chaque séquence, par l'enseignant. Eh bien, on se rend compte, quand on fait des études comparatives, que avec des élèves tutorés, donc aidés, avec les mêmes types de difficultés, enfin de niveau scolaire, eh bien, au cours d'une année, les élèves tutorés vont bien plus progresser que les élèves non tutorés, alors que c'est
seulement 2-3 heures par semaine. Maintenant, ce qui a été surprenant, et ce résultat auquel on ne s'attendait pas, c'est que lorsque vous avez des élèves en difficulté qui vont prendre ça, qui vont être tuteurs, eh bien, eux vont également progresser, et parfois plus que leurs tutorés. Et je trouve que c'est moralement une très belle histoire, c'est en aidant les autres, on s'aide soi-même. Et en fait, comment dire, c'est tout simplement que parfois, et certains, c'est souvent la première fois qu'on leur fait confiance pour quelque chose à l'école, puisque étant donné qu'ils sont nuls, bah, évidemment, ils se considèrent nuls, eh bien, et d'autres les considèrent comme tels, eh bien là, ils ont l'occasion d'être responsables. Et ils prennent ça très au sérieux, et prenant ça très au sérieux, ils préparent leur cours. Préparant leurs cours, ils sont obligés de rabâcher les manuels de 2-3 ans avant, qu'ils devraient savoir par cœur, mais qu'ils ne connaissent pas encore très bien. Et ils préparent des exercices, ils font, et du coup, en préparant les exercices et tout ça, eh bien, ils apprennent très nettement. Et ce qui est intéressant, c'est que le système d'élèves-tuteurs, eh bien, a également des effets sur l'ambiance dans la classe, puisque des élèves en grosse difficulté qui, s'ennuyant à mourir, eh bien, ont tendance à perturber les cours, eh bien, se rendent compte qu'être enseignant, ça demande du travail, ça demande de l'engagement, et ils deviennent plus respectueux des enseignants. Là aussi, on n'a pas seulement aujourd'hui des études, on a maintenant des méta-analyses, des études de synthèse, et ce qui sont, comment dire, tout à fait fiables. Maintenant, deuxième élément, je vais un peu vite, le travail. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié le sujet, j'ai écrit un gros livre là-dessus. Alors, je vais aller très vite, hein, puisqu'on parle de coopération. Tout d'abord, alors ce que je vais vous dire, évidemment, comme dans le reste, hein, c'est les tendances. Moi, je dis souvent, en sciences humaines, il ne faut jamais dire jamais, toujours éviter de dire toujours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a rien de systématique. Donc, c'est jamais toujours, jamais jamais. Mais les tendances, c'est l'intérêt des études statistiques. Je crois qu'il faut toujours coupler le statistique, le qualitatif et le quantitatif. Le quantitatif, le statistique, ça vous donne des grandes tendances, ça vous explique rien. Et le qualitatif, ça vous explique les mécanismes, mais vous ne pouvez pas tirer des conclusions à partir de trois cas, des conclusions générales. Donc il faut toujours coupler les deux. Les deux sont complémentaires, je crois. Comment dire, ce que je vais vous dire, là, c'est des tendances, donc c'est des stats. En gros, il y a une sorte de spirale vertueuse, en tout cas déjà de corrélation très claire, mais aussi de causalité, donc spirale vertueuse entre le fait d'être compétent et le fait d'être coopératif au travail. On a les résultats suivants qui sont que les salariés les plus compétents sont aussi les plus coopératifs et vice-versa. Encore une fois, j'ai dit, c'est des tendances, et vous pouvez avoir des salariés compétents totalement égoïstes. Hein, c'est pas... Mais la tendance générale statistique. Ce qu'on observe, donc, au niveau du mécanisme, du processus, c'est qu'en fait, les personnes qui sont compétentes ont tendance, de façon générale, à être plus à l'aise avec eux-mêmes par rapport à leurs compétences, donc, évidemment, et du coup, à partager plus facilement l'information, aider les collègues s'ils en ont besoin, et donc... plus ils sont compétents, plus ils ont tendance à être coopératifs. Mais puisqu'ils ont été coopératifs, puisque lorsqu'on leur a demandé de l'aide, ils ont aidé, le jour où ils ont une faille, il y a un truc qu'ils n'ont pas bien compris, ils n'arrivent pas à faire un truc, ils peuvent toujours demander aux collègues qui vont les aider en retour, c'est logique, mais qui va les rendre plus compétents. Donc il y a une spirale vertueuse qui se met en place. Et alors ça, il y a eu différentes études, et celle-ci notamment qui a été faite, une série d'études qui ont été faites sur des informaticiens allemands, qui sont assez intéressants. Maintenant, j'aimerais vous citer une étude qui... J'aime bien citer les études pas trop vieilles, mais celle-ci, vous allez voir, elle a plus de 50 ans. Donc là, on est vraiment dans has-been. Mais en fait, elle est très intéressante parce que, justement, on avait découvert des choses il y a déjà 50 ans et qui ne font que se confirmer. Mais en plus, méthodologiquement, j'ai pas vu d'études qui reprennent la méthodologie aussi bien. Alors, c'est aux États-Unis, c'est un sociologue qui s'appelle Peter Blow, et qui a enquêté auprès de ce qu'on appellerait aujourd'hui les agences Pôle emploi, donc des services de l'État pour la réinsertion professionnelle. Et en fait, il a comparé deux groupes, c'est les mêmes institutions, hein, une dans laquelle la direction avait mis en place un système pour ses agents, bon, pour les salariés, un système plutôt fonctionnant de manière coopérative, que les gens se retrouvaient et travaillaient ensemble, et l'autre de manière compétitive, c'est avec celui qui avait les meilleurs, enfin avec des systèmes de primes pour celui qui avait les meilleurs résultats, etc., etc. Dans cette deuxième configuration, donc sur un mode de compétition interpersonnelle, eh bien, grosso modo, la personne qui était dans le système, l'attitude la plus
compétitive avait les meilleurs résultats. En fait, c'est celle qui donnait le moins d'infos aux autres, qui, alors il y avait besoin de deux types d'informations, évidemment, du côté des recruteurs qui proposent des postes et du côté de gens qui, des postulants, et ils essayaient de récupérer d'un côté le maximum d'offres et le maximum de demandes. Celui qui était le plus hargneux et qui partageait le moins, eh bien, avait le plus d'infos, donc le plus de résultats. Donc, prime, en quelque sorte, prime, ça montrait en interne, les gens pouvaient conclure qu'effectivement, plus on jouait la carte de la compétition, plus on était performant. Sauf que, quand on compare les résultats globaux des deux groupes, des deux équipes, eh bien, ceux de l'équipe coopérative avaient des meilleurs résultats. Donc, en fait, vous allez, dans le premier cas, faciliter une sorte de résultat interpersonnel au détriment du résultat collectif. Et là où c'est intéressant, ça, c'était donc, comme je vous le dis, en 54, mais c'est que ça sera de plus en plus vrai parce que de plus en plus nos boulots sont interdépendants. Donc miser sur, comme le font certains managers, sur le fait que pour être plus productif, il faut faire de la compétition entre les membres d'une équipe ou entre des équipes entre elles, c'est extrêmement néfaste, à la fois d'abord essentiellement, parce que c'est quand même prioritaire, surtout pour le psychologue que je suis, et bien pour les individus, mais c'est également néfaste in fine, à la productivité. Donc vous avez cette étude qui est assez intéressante. Voilà, illusion de performance. Donc si vous restez dans un système marqué par la compétition, vous pouvez vous leurrer et penser que vous avez raison de continuer, de perdurer dans le système compétition, alors que c'est une illusion. Et ce qui est très intéressant par ailleurs, on a demandé aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'ils préféreraient le plus, travailler en compétition, en collaboration, en coopération? Ils ont tous dit en coopération. Petite remarque au passage, puisque là je viens de dire collaboration, coopération. Moi, à un moment, j'avais tendance à dire les deux de façon, équivalente. Mais c'est un ami qui m'a fait la remarque. C'est intéressant étymologiquement. Collaborer, ça veut dire collaborer, travailler ensemble, coopérer, opus, faire une œuvre ensemble. Donc je suis plus pour une démarche coopérative, plus encore que collaborative. Voilà, autre élément, par exemple, ça a été fait sur la considération, la bienveillance, vous voyez. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai rencontré des personnes, donc des managers, des cadres. J'ai rencontré un peu tous les échelons dans différentes entreprises. Et c'est impressionnant de voir à quel point les managers peuvent être bienveillants dans leur entreprise. Je vous donne un seul exemple. C'est quelqu'un qui s'appelle Christian Travier, qui dirige une structure un peu parapublic, enfin avec des fonds de l'Europe ou de la région, enfin bon, et qui sert à dynamiser l'économie locale, les territoires, enfin en Mayenne. Et qui me dit, voilà, il m'arrive des fois d'avoir des salariés qui arrivent dans mon bureau, ils sont pas bien, même des fois en larmes. Et bon, alors en larmes parce qu'ils ont fait une opération qui s'est pas aussi bien déroulée que s'ils espéraient, ou bien il y a un conflit avec un partenaire. Ils ont rarement des conflits entre les salariés parce que c'est des gens qui s'entendent bien globalement. Et donc il y a des fois des problèmes, quoi. On n'est pas toujours sur un nid de rose, et un lit de rose. Et il dit, voilà, la discussion va durer une demi-heure, va durer trois quarts d'heure, une heure peut-être. Si moi, au poste que j'ai, je ne suis pas capable de faire en sorte qu'au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion, cette personne sorte avec le sourire jusqu'aux oreilles, j'ai rien à faire ici, j'ai raté mon boulot. Vous voyez ? Et des gens comme ça, c'est des gens formidables. Lui, par exemple, les entretiens annuels d'embauche, c'est pour montrer aux salariés tout ce qu'il a fait de bien dans l'année, c'est pas pour souligner les points de défaut et tout ce qu'il y a encore à améliorer pour l'année d'après. Et au contraire, il dit, bah, tout ce que tu as fait ça, ça va pouvoir t'aider maintenant pour faire tout ça. Alors, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on nous pose des choses et qui ne sont pas forcément aux besoins. Moi, je suis vraiment pour une logique, de façon générale, dans la vie, du ceci et cela, plutôt que du ceci ou cela. Et donc, il est possible et même bénéfique à la fois de mettre un cadre, une structure, un cadre structurant, et en même temps de la bienveillance. Donc, les deux sont pas du tout incompatibles, ils sont même plutôt convergents. Voilà. Ensuite, un autre élément qui est la santé. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas être un scoop, mais c'est bien quand même de. On a les éléments qui permettent toujours de l'affirmer. Eh bien, les patients préfèrent des membres du personnel soignant, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans un cabinet, ils préfèrent quand ils sont empathiques. Voilà. Donc c'est bon, mais c'est bien de le savoir quand même. Voilà, c'est pas un scoop, c'est pas voilà, c'est pas. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que plus intéressant. C'est que ça a des effets psychologiques, à la fois sur les patients, des effets psychologiques
psychologique positive sur les patients et sur leurs proches. Vous me direz, bon, on n'a pas encore besoin de la psychologie positive pour ça. Mais c'est déjà intéressant. Là où ça devient plus intéressant encore, c'est que ça marche aussi pour la santé physique. Et que lorsque vous avez, par exemple, à l'hôpital, une équipe médicale qui est bienveillante, empathique, eh bien, ça facilite l'amélioration de patients qui peuvent avoir des troubles, des pathologies, pas seulement un rhume, on ne va pas souvent à l'hôpital pour un rhume, mais aussi bien des maladies cardiovasculaires, diabète, cancer. Là, vous dites, oh là 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 là, c'est du lourd la psychosomatique, la neuro-immunobiologie, ou je ne sais plus, enfin, c'est du lourd tout ça. Peut-être. Peut-être qu'il y a de la psychosomatique, mais il y a aussi quelque chose de extrêmement trivial et très terre-à-terre. C'est, je ne sais pas vous, mais moi, vous savez, c'est l'image qu'on a souvent des médecins, et malheureusement, je n'ai pas l'air comme ça, mais je peux être timide dans certaines circonstances. Eh bien, un médecin, il vous dit, ah voilà, il faut que vous preniez ça, 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 il vous écrit, on connaît l'écriture des médecins, et vous avez compris, à moitié. Mais vous n'osez pas forcément le dire. Voilà. Et du coup, on sait aujourd'hui que dans les études, eh bien, ce qu'on appelle l'observance, eh bien, on va jusqu'à parfois 60% des ordonnances qui sont mal respectées. Non pas parce que les gens ils ont envie de faire le contraire de ce que dit le médecin, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément compris, qu'ils n'ont pas forcément osé demander. Et hélas, vous ne serez pas surpris, mais c'est quand même intéressant. Donc, c'est qu'en fait, plus un médecin est empathique, plus il y a d'observance chez les personnes, chez le patient. Alors évidemment, ça prend un peu plus de temps, parce que ça nécessite de s'expliquer, est-ce que vous avez bien compris, est-ce que je peux vous aider, qu'est-ce que vous avez des questions à poser, que sais-je encore. Mais avec ça, eh bien, j'ai envie de dire simplement, si on formait les médecins un peu à l'empathie, eh bien, probablement qu'on diminuerait le trou de la sécurité sociale, ce qui est quand même... pour nos décideurs politiques, au moins un objectif intéressant. L'empathie, c'est peut-être pas intéressant, mais le trou de la sécu, ça, c'est plus intéressant. Donc, voilà. D'ailleurs, oui, non, on va pas en revenir, je ne suis pas du tout. Donc, on continue. Ça va, toujours ? Oui. On va passer maintenant à la justice. Alors, la justice... Vous savez, il y a beaucoup de constats qui sont faits sur la justice, la lenteur de la justice, enfin, un certain nombre de choses, d'insatisfaction qui sont faits. Et puis alors, du coup, depuis un certain nombre d'années, dans différents pays, se développe une autre conception que la justice pénale traditionnelle, qu'on appelle la justice restauratrice. Restaurative, vous voyez comme il y a différents mots, hein. En anglais c'est restorative, donc eux ils n'ont pas de problème, mais nous, alors il y a des débats entre spécialistes, on va passer dessus, et qui est assez différente. Alors d'abord je voudrais commencer un aspect essentiel, finalement regardez bien, qu'est-ce qui se passe au tribunal ? Il y a trois choses essentielles qui vont se jouer dans la scénographie du tribunal. La première chose, on va essayer de déterminer quel est l'acte ou les actes commis. La deuxième, qui a commis l'acte, quelle est la personne, quelles sont les personnes. Troisième, c'est quelle est la juste sentence qu'il faut appliquer à cette personne ou à ces personnes. Je pense que vous êtes assez d'accord, c'est à peu près ça la finalité d'un jugement. Tiens, mais dans tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé de la victime. Les victimes. Tout au tribunal tourne autour de l'acte et de l'auteur. La victime est finalement une adjonction qui n'est là que pour donner des informations lorsqu'on lui demande, et encore lorsqu'on lui demande, en général, c'est par le biais de son avocat. C'est-à-dire que, surtout dans les situations les plus graves, de type meurtre d'un proche ou inceste, dans des situations extrêmement violentes, eh bien, les victimes attendent beaucoup du tribunal pour pouvoir se reconstruire. Et souvent, elles sortent, et parfois, vous avez des psychologues qui disent, ou enfin des thérapeutes, tout ça, ou même des proches qui disent, mais tu verras, le dossier est extrêmement clair, il sera condamné, et enfin, tu vas soit pouvoir finir ou commencer, selon le cas, ton travail de deuil. Vous connaissez ce genre d'expression. Voilà. Et on attend beaucoup de cette situation pour effectivement que ça soit. Et en fait, vous avez des personnes qui, à la suite de tribunal, la personne, effectivement, l'auteur a été condamné sans ambiguïté, et elles sortent plus mal du tribunal qu'elles y sont rentrées.
En fait, on s'est complètement trompé sur leurs attentes. Toutes les études de victimologie montrent que l'attente principale des victimes n'est pas tellement que l'auteur, de la condamnation de l'auteur, même si ça fait partie de... Mais ce n'est pas leur attente principale. Leur attente principale, pour se reconstruire psychologiquement, eh bien, elle se situe à ce niveau-là. C'est que l'auteur fasse preuve de regret, exprime son remords, et même s'engage à ne pas recommencer. Pour elle-même, pour la victime elle-même, mais pour d'autres victimes potentielles qui peuvent exister dans l'avenir. Or, toute la scénographie du jugement pénal fonctionne à l'inverse. L'essentiel, c'est les droits de la défense. Et donc, toute la stratégie, évidemment, de la défense, du côté donc, de l'auteur et de son avocat, consiste à défendre, à mettre en avant des circonstances atténuantes, que sais-je encore. Et je comprends, il y a une vraie légitimité. Mais du coup, à ne pas reconnaître, à faire l'inverse de ce qu'attend la victime. Et donc vous avez des victimes ou des proches de victimes, par exemple une jeune fille qui a été violée, assassinée, ben c'est les parents qui sont là au tribunal, et ils attendent que le procès leur permette de finir leur travail de deuil, et ce qu'ils attendent en fait, c'est que l'auteur fasse ça. Au procès, on va faire exactement l'inverse. Parfois même, on a des situations, ça se fait moins maintenant, mais quand même assez violentes, du style, mais enfin madame, on ne se promène pas 11h du soir en jupe. Vous voyez, donc vous êtes l'auteur, ou votre fille est l'auteur en partie, enfin est en grande partie responsable de ce qui lui est arrivé. Vous voyez, c'est d'une violence inouïe. Alors que donc la victime est coupable. Et ce qu'attendent les victimes, c'est qu'il soit très clairement dit, il y a une victime, il y a un coupable, et que le coupable se reconnaisse comme tel. C'est précisément ce que permet la justice. Alors, quelle finale et quelle raison ? Ben, tout simplement pour se reconstruire psychologiquement. Autant la justice pénale dont je viens de parler axe l'essentiel de la focalisation sur l'auteur et l'acte et l'auteur plutôt, autant la justice restauratrice vise à la reconstruction psychologique des victimes. Alors on dit, en général, la justice, ça n'a pas de vocation thérapeutique. Eh bien, justement, la novation, la nouveauté de la justice restauratrice, c'est de s'intéresser à la reconstruction psychologique des victimes et d'en faire la priorité. En faisant cela, eh bien, effectivement, le premier critère, eh bien, c'est que les auteurs sont incités à reconnaître l'acte qu'ils ont commis. Bien sûr, on ne met pas en justice restauratrice quelqu'un qui nie complètement l'acte, même s'il est entièrement coupable et qu'il le nie, ça se fera au tribunal, on passe directement au tribunal. On ne passe pas par parce que ça peut être très très douloureux pour les victimes, puisqu'elles sont plus proches, même physiquement, des auteurs, et tout ça peut être encore plus violent. Mais lorsqu'il y a un début de remords qui s'exprime, eh bien on va travailler là-dessus. Le résultat de ce type de démarche, maintenant, là aussi, on a la littérature scientifique est absolument pléthorique, et on a, moi, ce que j'appelle les trois R de la justice restauratrice. Le premier R, pour les victimes, c'est le R de la reconstruction psychologique, et ça permet de réparer sa blessure. Il y a d'autres aspects que j'ai enlevé ici, mais c'est le plus important. Celui-là est le plus important. Réparer sa blessure, j'ai mis des guillemets, ça permet de se reconstruire puisque la personne reconnaît le mal qu'elle a fait, s'engage à ne pas recommencer, et c'est ce que la personne, elle, attendait particulièrement, le plus fort. Ça a aussi un effet sur l'agresseur, parce que, alors même que c'est des situations très compliquées pour les agresseurs, la justice restauratrice n'est pas une justice à bon compte, parce qu'en justice pénale, il se défend, en justice restauratrice, il reconnaît. C'est beaucoup plus douloureux, c'est des situations beaucoup plus confrontantes. Eh bien, les études montrent qu'il y a plus de satisfaction en justice pour les auteurs, en justice restauratrice, qu'en justice pénale. Et ça diminue la récidive, puisque les personnes ont reconnu, lorsque vous avez passé votre temps à vous défendre, il y a même des gens qui ont fait des actes assez graves, ils ont passé tout le temps du tribunal, qui peut durer un certain temps, à se défendre. Et à la fin, ils sont condamnés, ils trouvent ça injuste. Bah oui, ils ont montré à quel point ils n'étaient pas si coupables que ça, et on les condamne quand même. Alors qu'en justice restauratrice, eh bien, ils considèrent la sanction qui tombe à la fin comme juste. Et comme ils ont reconnu, eh bien, en quelque sorte, ils ont moins le désir de recommencer, ils ont pris conscience de la souffrance qu'ils avaient fait subir. J'aimerais revenir sur les premiers, les victimes, c'est très intéressant parce que les enquêtes montrent grosso modo, il y a énormément d'études, mais grosso modo, le niveau de satisfaction des victimes
Après, pour le même type d'acte de la part des agresseurs, enfin évidemment une méthodologie assez rigoureuse pour la comparaison, eh bien le niveau de satisfaction des victimes qui sortent de justice pénale, c'est à peu près 15 à 23%, 25%, 20-25%. Voilà. Le niveau de satisfaction des victimes pour le même type d'acte après justice restauratrice, c'est de l'ordre de 80 à 100%. Oui, les effets sont massifs, mais ils sont vrais aussi sur les deux autres aspects. Et je voudrais préciser quelque chose, c'est qu'au début, on a commencé à parler de justice restauratrice, ça fait notamment appel à des médiations, enfin voilà, je ne vais pas détailler, mais le début où on a parlé de ça, évidemment, des gens ont dit, oui, mais ça va bien, bon, écoutez, si on a volé une voiture, ou, enfin voilà, mais quand même, attendez, pour les histoires de viol, de meurtre, tout ça, ça ne tient pas. Et en particulier, les personnes qui avaient contesté cette approche, c'était notamment des criminologues, des femmes criminologues féministes, et qui disaient que c'était inadapté, totalement inadapté à des actes graves commis, en particulier des abus sexuels envers les femmes, que ce soit intrafamiliaux, inceste ou viol extrafamiliaux. Et aujourd'hui, des femmes, moi j'ai des textes sur plusieurs années, des criminologues, des femmes criminologues qui ont complètement changé, tout simplement parce qu'entre-temps, elles ont rencontré des femmes qui ont subi des actes graves et qui sont passées par la justice restauratrice et ont comparé les témoignages, c'est le jour et la nuit. C'est particulièrement bénéfique pour les victimes dans les actes graves, parce que c'est là où elles ont le plus besoin que l'auteur reconnaisse le mal qu'il a commis. Voilà, et voyez bien que, pour revenir à notre thème, puisque coopération empathie, eh bien, la justice restauratrice, c'est de faire un pari qui a une capacité d'empathie chez toute personne, y compris chez les agresseurs. Alors que, et qu'on parie là-dessus pour diminuer la récidive. Dans justice pénale, vous pariez sur une autre philosophie de l'être humain et donc une autre pratique qui est la dissuasion. Il faut le punir le plus fortement possible pour qu'il ait peur, pour qu'il ne recommence pas. Et ça, c'est la dissuasion individuelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle la dissuasion générale. Plus la société saura qu'on punit gravement ces délinquants, et bien plus les gens éviteront de le faire. On sait que ce type de fonctionnement ne marche pas. Les études sont extrêmement claires. Il y a beaucoup plus d'efficacité de ce pari de l'empathie que le pari de la peur. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas de l'idéologie, vous voyez bien, quand je vous dis qu'on peut créer des politiques publiques autour de ces thèmes, et bien ce n'est pas seulement des utopies, ça repose sur des connaissances aujourd'hui. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent contre-intuitif. Vous voyez, l'idée, c'est oui, il faut les punir pour qu'ils aient peur. Non, c'est faire le pari qu'il y a de l'empathie qui marche le mieux. On va passer maintenant à l'environnement. Alors, vous avez dans, comment dire, dans l'univers de l'environnement, vous avez deux grands acteurs, enfin trois grands acteurs, hein, qui sont, c'est ce que j'appelle la trilogie de la gouvernance, qui sont d'un côté l'État, donc notamment les ministères de l'environnement dans différents pays, les agences de protection de ceci ou de cela. Vous avez le marché, c'est les industriels, et vous avez la société civile, c'est les associations environnementales. Donc, cette trilogie de la gouvernance, très souvent, beaucoup de mal à fonctionner entre eux. Vous avez les industriels qui considèrent les écolos comme des irresponsables, sur le plan économique, vous avez les écolos qui considèrent les industriels comme des irresponsables sur le plan environnemental, et vous avez les agences, les fonctionnaires de l'environnement qui essayent de réguler un peu tout ça et qui ont bien du mal et qui sont tapés dessus par les uns et par les autres comme étant soit trop laxistes, soit trop rigoureux. Alors, tout va bien. Donc, les relations entre les industriels et les associations environnementales, d'après certains sociologues, sont passées par trois étapes. Alors, quand je dis trois étapes, c'est pas complètement, ça se superpose, hein, évidemment. Mais la première étape, ça a été de faire du lobbying législatif, de pousser les parlements de différents pays à faire des lois les plus contraignantes possibles. Il y a eu des résultats, mais pas à la hauteur espérée. Deuxième temps, c'est de faire du lobbying social, c'est-à-dire d'appeler au boycott de produits de telle entreprise. Nike en a été un exemple remarquable, pas pour l'environnement, mais pour le travail des enfants. Et maintenant, et ça a marché, mais pas aussi bien qu'on croyait. Et maintenant, et ça se sait peu, les médias en parlent peu, mais à l'échelon mondial, des grandes associations se sont alliées à des multinationales. Je pense par exemple au VVF,
à l'Union internationale pour la conservation de la nature et d'autres, eh bien, ils font des partenariats avec les industriels. Et c'est ce qui, en fait, marche le mieux. Je n'ai pas le temps de vous détailler trop en détail, simplement, je vous donne deux grandes réussites à l'échelon mondial, enfin, à l'échelon, pardon, international et mondial. La première, c'est le Rhin. Le Rhin était, il y a 30 ans, une poubelle à ciel ouvert, le fleuve le plus pollué au monde, et aujourd'hui, peut-être le fleuve le plus propre au monde, en tout cas, on peut se baigner aujourd'hui dans le Rhin depuis la source jusqu'à l'embouchure, alors que c'est la plus grosse concentration mondiale avec les grands lacs américains d'usines pétrochimiques, de transformation pétrochimique, sidérurgique, etc., etc. Donc, un univers extrêmement susceptible de polluer, eh bien, on peut se baigner dans le Rhin. Et ça, ça s'est fait du jour où, arrêtant le système des deux systèmes que je disais avant, c'est-à-dire se considérer comme des ennemis, c'était à la suite d'un grave accident, l'usine Sandoz de Bâle en Suisse, il y a 20 ou 30 ans, eh bien, ça ne marchait pas, les systèmes d'avant. Eh bien, une ministre de l'Environnement d'un pays du Nord a rassemblé les trois parties, donc les responsables ministres de l'Environnement, agences, des industriels, des écolos, ils ont fait travailler ensemble, ces ennemis sont devenus des partenaires, et c'est ce qui a marché. Autre exemple, l'ozone. Alors vous savez, c'est pas que vous avez remarqué, mais on vous parlait beaucoup de l'ozone. Il y a quelques années, on avait tous mourir grillés de cancer de la peau et tout ça, et on ne nous parle plus d'ozone pratiquement. Alors c'est intéressant, les médias vous parlent des problèmes, quand il y a des problèmes, vous ne parlent plus quand on résout les problèmes. Pourquoi on ne parle plus de l'ozone? Parce que le problème se résout. Aujourd'hui, le problème de l'ozone est résolu. Alors quand je dis résolu, c'est aller un peu vite, c'est-à-dire qu'il est virtuellement résolu. Aujourd'hui, voici, comparativement à ce qui se faisait en 89, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui en 2013, 2017, c'est un peu plus petit encore, mais c'est on consomme à peu près 1-2% de produits détruisant l'ozone par rapport à ce qui se faisait en 89. Vous avez eu le protocole de Montréal en 87 qui a fait exactement la même chose. C'est Mustafa Tolba qui était le directeur de l'UNEP, l'agence de l'ONU pour l'environnement, qui a réuni les parties. Les mêmes, hein, la trilogie de la gouvernance dont je viens de parler, et les industriels, les écolos, les ministres de l'Environnement du monde entier, et ils ont fait travailler sur l'ozone ensemble. Des ennemis sont devenus des partenaires, et aujourd'hui, eh bien, l'ozone est réglée. Alors, virtuellement, parce que ça, les substances qui détruisent l'ozone mettent longtemps à disparaître, donc elles sont encore là-haut, le trou se referme, et il sera entièrement refermé en 2050. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la stratégie de coopération plus d'invective qui a marché pour l'ozone, qui a marché pour le Rhin, eh bien c'est ce qui peut marcher demain pour le réchauffement climatique, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Voilà, je termine par un dernier point, je vais aller très vite. Vous avez un psychologue politique qui, Ralph White, qui est décédé maintenant, et qui a inventé un concept qu'il appelle, enfin il s'est intéressé au conflit, en particulier pendant la guerre froide, qu'est-ce qui faisait que des moments de conflit se transformaient en guerre ou se passaient à une résolution non violente. Et en fait, il s'est rendu compte d'un truc, c'est, en particulier donc entre l'Est et l'Ouest, mais pas que, c'est lorsque une des parties, à ce moment-là, à disponibilité évidemment que les côtés de l'Occident, faisait preuve d'empathie à l'égard des adversaires, en particulier le bloc de l'Est. Ça a été en particulier le cas en comparant par deux moments de conflit. Ça a été ce qu'on a appelé l'invasion de la baie des cochons en 61 et un an et demi après la crise des missiles de Cuba. Il faut savoir que la crise des missiles de Cuba en 62, ça a été 13 jours pendant lesquels le monde est passé au bord de l'apocalypse nucléaire et bien plus grave encore que 45. J'ai envie de dire Hiroshima n'a été qu'une petite, l'amicale des boulistes par rapport à ce qui pouvait se passer en 62. Eh bien, à la différence de ce qui s'était passé un an et demi avant par rapport à Cuba, eh bien, John Kennedy a fait preuve d'empathie. Ce que Ralph White appelle l'empathie, il dit bien, ça n'a rien à voir avec la sympathie, c'est pas d'être copain, c'est tout simplement d'essayer de se mettre à la place cognitivement de la personne et même en partie émotionnellement. Il insiste surtout sur l'empathie cognitive, mais en partie aussi émotionnelle. Alors, je voudrais juste dire, que ça a été très efficace dans plein de conflits, donc j'ai pas le temps de détailler, ça s'appelle l'empathie réaliste. Je termine en disant simplement que tout ça, ça peut donner, ça vous ouvre à une nouvelle vision de la société. Moi, je fais partie je suis un pied dans le milieu de la psychologie positive, je suis un petit peu connu dans ce monde-là, mais aussi un pied dans le mouvement alternatif de changement social, la société civile et tout ça. Et il y a quelques années, un ami qui s'appelle
Alain Caillé, qui est professeur émérite de sociologie à Nanterre, a réuni un groupe de gens comme ça, et j'ai envie de dire, on refaisait le monde tous les mois au Café du Commerce. Ben, c'était pas le Café du Commerce, c'était un resto du côté de Montparnasse, et sur des thèmes, le bien commun, l'entreprise, tout ça, avec une vision humaniste. Et puis à un moment, on se dit, so what, mais c'est bien de se retrouver entre copains, mais qu'est-ce que ça peut faire? Du coup, on a fait un petit livre, surtout écrit en grande partie par Alain Caillé, qui s'appelle donc Manifeste Convivialiste. Ceux qui ont entendu parler d'Ivan Illich, alors rappelle, mais ça c'est pour les plus anciens, ceux qui ont un petit peu de cheveux gris comme moi, le livre La Convivialité, et donc j'aime beaucoup le sous-titre, Déclaration d'indépendance, qui est un petit clin d'œil à la Déclaration d'indépendance américaine, et puis on a fait d'autres, voilà, notamment ça. Alors vous allez me dire, oui, bon, tout ça c'est très bien, vous êtes bien gentil avec toutes les histoires, bon, mais vous êtes psychologie positive, oui, mais il y a un gros problème. Le problème c'est les autres. Ici, nous, on est des gens bien, hein, on est au-dessus de la moyenne quand même, au point de vue moral, mais il y a les autres. Alors, juste une information comme ça pour votre gouverne. Hein, sachez que si vous raisonnez comme ça, vous vous interrogez. Les autres, c'est peut-être nous-mêmes, finalement. Alors, moi, je pense que le monde ne changera pas lorsque nous serons de plus en plus nombreux à penser qu'il faut fonctionner de manière coopérative. Ça, je ne crois pas. Je crois que le monde changera vraiment le jour où nous serons de plus en plus nombreux à savoir que nous sommes très nombreux à penser comme ça. Donc, le problème n'est pas les autres. Le problème est de penser que le problème vient des autres. Vous suivez toujours ? On continue. Alors, en fait, les études d'aujourd'hui nous montrent que la plupart d'entre nous, ça rejoint aussi le livre que j'écris sur la bonté, eh bien, nous sommes des coopérateurs conditionnels. Je vais aller très vite. Alors ça, c'est étudié dans différentes études empiriques, que ce soit sur, en particulier sur l'environnement, les tri des déchets, par exemple, ou sur les impôts. En gros, je suis prêt à trier mes déchets, mais à condition que les autres le fassent. Parce que si personne ne le fait rien, c'est même pas la peine, c'est une goutte d'eau dans la mer. Je suis prêt à payer mes impôts, mais si Cahuzac ne les paye pas, il n'y a pas de raison que je les paye. Vous voyez, enfin, des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est absolument catastrophique l'ampleur médiatique qui est donnée à ces personnes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, mais leur donner une telle ampleur médiatique, ça diminue ce qu'on appelle la morale fiscale dans la population. Voilà. Les gens pensent que c'est tous des voyous et il n'y a pas de raison que moi que je paye mes impôts. Alors, simplement, en gros, voilà, ça c'est un petit schéma que j'ai fait, vous savez, c'est un cours de Gauss. En gros, alors c'est une invention, hein, ça ne repousse pas stricto sensu sur des études empiriques, mais ça en renvoie quand même assez bien. En gros, vous avez d'un côté des gens qui, par exemple, c'est étudié dans les trucs de type dilemme des prisonniers, il y a des gens qui fonctionnent toujours de manière égoïste. Quoique, même si les autres ils coopèrent, hop, eux, ils essayent de tirer la couverture à eux. Et puis vous avez inversement des gens qui, dans le même type de truc, dilemme des prisonniers, sont toujours dans la coopération. Ou bien des gens, par exemple, qui, vous savez, des annonces des fois, enfin pas souvent, mais un hôpital qui demande un donneur de rein anonyme. Alors, déjà, donner son rein à un proche, c'est déjà pas gagné, mais donneur de rein anonyme. Vous allez donner un rein à une personne que vous ne connaissez pas, que vous ne verrez jamais, qui ne pourra même pas vous exprimer sa gratitude. Faut quand même le faire. Donc, des gens qui vont très loin dans l'altruisme. Alors ça, c'est les extrêmes. Ils sont rares, ils sont une toute petite minorité, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de place beaucoup dans cette courbe. Mais au milieu, vous avez donc les coopérateurs. Nous sommes pratiquement tous, j'ai envie de dire, les Hitler et les Gandhi, ils ne sont pas nombreux, quoi. Donc, entre les deux, eh bien, il y a vous et moi. Maintenant, je me suis permis quand même de les diviser en trois. Voilà. Il y a les vrais coopérateurs, c'est ceux, ben, si vous voulez, bon, je coopère, je suis prêt à coopérer, mais il faut que les autres coopèrent. Ben, bon, c'est le principe. Mais si je sais qu'ils coopèrent, j'y vais. Et puis, vous avez les coopérateurs conformistes. Alors, eux, ils sont prêts à coopérer, ils ne font pas partie de la dernière catégorie des égoïstes, mais ils attendent quand même de voir. C'est-à-dire qu'ils mettent du temps. C'est un peu les derniers à se lancer, vous voyez. Ceux de gauche, ils se lancent pas, mais il y en a qui ils y croient pas trop, quoi. Il leur faut une preuve, plus une preuve, plus une preuve, puis à un moment, ils disent, bon, ok, d'accord, j'y crois. Alors, ça peut prendre du temps. Alors maintenant, là où je mets de l'espoir, c'est sur cette catégorie, qui sont les coopérateurs inspirés. C'est pas des Jésus, c'est pas des Bouddhas, mais quand même, eh bien, je crois que c'est là-dessus qu'on peut faire porter notre espoir sur demain. Et moi, mon espoir, c'est que demain, cette courbe de gauche, je crois qu'elle existera toujours. Je me leurre pas. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse la faire déplacer vers la droite et qu'on soit plus nombreux vers la droite. Les coopérateurs inspirateurs, c'est tout simplement c'est des gens qui posent un a priori de confiance sur leur prochain, qui croient qu'il y a de la bonté chez toute personne et qui
ne tombe pas dans ce travers que vous connaissez tous. Un jour, je faisais confiance aux gens, et puis un jour on m'a trahi, depuis je ne fais plus confiance à personne. Qui laisse une deuxième chance, peut-être une troisième, pas dix, parce qu'après on tombe dans la catégorie peut-être des pigeons, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, mais qui quand même sont prêts, un, à faire le premier pas, et deux, à faire un deuxième pas et un troisième s'ils sont parfois un peu déçus. Alors maintenant, je vais juste terminer par une petite question. Qui a écrit ceci? C'est une devinette, si vous connaissez la réponse, vous n'avez pas droit à répondre, parce que c'est une devinette, et si vous répondez, c'est de la triche. Alors je vais vite, hein. C'est Mandela. Voilà. On ne peut pas dire que Mandela était un naïf, hein. Et pourtant, voilà. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est moins connu, c'est que Mandela, il a fait de cette conviction une stratégie politique, parce qu'au moment où il arrive au pouvoir, vous doutez bien qu'il n'a pas en main les rênes des pouvoirs régaliens que sont la justice, l'armée et la police. Eh bien, il a fait confiance que même chez ses pires ennemis, il pouvait y avoir du bon. Et c'est ça qui a permis le passage de l'apartheid à la démocratie. Maintenant, je vais passer. Ça, c'est. Alors, j'ai cité Mandela. Maintenant, je me permets de citer un auteur beaucoup moins connu, mais intéressant quand même. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est ceci, c'est que, voilà, dans la vie, je crois qu'il est bon d'essayer d'adopter le principe héliotropique des tournesols, se tourner vers le soleil. Et que c'est la meilleure façon de vivre, et qu'il ne faut pas oublier autre chose, c'est qu'il se tourne vers le soleil, mais parfois il y a un petit peu des nuages qui arrivent à l'horizon malgré le temps ensoleillé. Eh bien, que je crois que la leçon que nous devons tirer, c'est que même si c'est le cas, n'abandonnons jamais. Je vous remercie pour votre attention. Thank you.